Donc on va commencer dès maintenant. Donc la perruque, elle me vient de chez U Pretty. Donc voilà. J'ai reçu ça aussi avec. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est un petit sachet. Les peignes pour bébière. Voilà. Les classiques. Un bonnet en satin. Trop bien. Parce que j'en avais pas. Voilà. Enfin j'en avais un mais il était pété. Il est trop nul. Donc du coup voilà. Très très bien. Un peigne à queue. Des pinces. Des fossiles. Voilà. Là, je vais vous montrer la perruque. D'après eux, c'est une 24 pouces. Mais la vérité, que je la trouve super longue pour une 24 pouces. Après, ça, c'est mon ressenti. Mais quand elle arrivait, je me suis dit, mais genre, c'est super long. C'est bénef, c'est génial. Mais en fait, je me suis dit, ben, trop bien. J'ai pris une 180 parce que j'en avais marre des perruques, vous voyez, qui sont fines. Surtout quand vous faites des boucles, etc. J'aime bien que ce soit bien fourni, bien volumineux. Donc, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais prendre du 180. Donc voilà, c'est une 13x4 pour la lace. Donc voilà, elle est comme ça. Après, c'est pas genre en mode... vous voyez, il y a des perruques qui arrivent, on dirait que c'est pas du tout pré-customisé. Genre là, c'est pré-customisé, donc c'est bien. Vous avez les bébières qui sont sorties et tout. Donc vous avez juste en vrai... soit vous la faites customiser par un professionnel, soit vous essayez comme moi aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors là, vous avez une poudre décolorante. Donc la marque, c'est Showtime. L'Occident, j'ai pris 30%. C'est la même marque. Je suis pas obligée de prendre la même marque que moi. J'ai pris ça parce qu'il y avait ça. Mais sinon, je m'en fous un peu en vrai. Vous aurez besoin d'un petit bol pour faire le mélange, etc. Je vais aussi utiliser la Got2Be pour sécuriser les cheveux qui sont sur la lèvre. De toute façon, je vais tout vous montrer. J'ai ma petite... ma petite tête pour poser ma perruque et faire tout ça. Vous aurez aussi besoin d'aluminium. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore sorti, il est dans la cuisine. Mais donc là on va commencer le mélange. Et c'est parti en fait, c'est parti. Là j'ai ma tête avec des sortes de pics qui sont juste ici. Je vous mettrai le lien de ma tête, je l'ai pris sur Amazon. Je suis plutôt satisfaite de la tête. Avant de décolorer les nœuds de la perruque, parce qu'en fait si vous ne décolorez pas les nœuds, ça ne fera pas trop naturel parce qu'il y aura comme des petits points. Vous voyez les nœuds des cheveux, bon, on va les voir en fait, vu que les cheveux sont noirs. Donc ça fera comme des petits points noirs et ce sera pas naturel quand vous allez la coller. Donc vaut mieux décolorer votre perruque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Got2Be pour, en fait, vous voyez comme il y a les petits cheveux qui volent partout là. On va les plaquer, comme ça ils vont pas aller n'importe où. Et comme ça, quand ça va décolorer, bah, ça va pas décolorer n'importe comment. Là, j'applique du Got2Be. J'hésite pas, hein, faut pas avoir peur d'en mettre. Après, je vais peigner dans ce sens pour que tous les cheveux, en fait, ils aillent vraiment vers l'arrière. Voilà, tous les cheveux sont plaqués vraiment en arrière. Et quand c'est comme ça, on va prendre la perruque et on va la mettre à l'envers sur la tête. Quand vous avez posé la perruque comme ça, vous venez sécuriser en fait avec des petits pics pour pas qu'elle bouge. Voilà ce que ça donne. Voilà. Regardez, vous voyez, j'ai piqué vraiment pour que la perruque, elle ne bouge pas. Et en fait, on va décolorer vraiment les nœuds qui sont bah, sur la lace, en fait. Donc, toute cette partie jusqu'à la couture, en fait, vous allez mettre le mélange dessus. Là, on va passer au mélange. On va ouvrir la poudre décolorante. Parce que c'est dans un sachet, en fait, quand vous l'achetez. Et on va en verser un peu dans le bol. Ah, voilà la quantité que j'ai mis. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une pâte, genre, pas trop liquide et pas trop compacte non plus. Je préfère en mettre un tout petit peu. De toute façon, si vous voyez que c'est trop liquide, vous pouvez rajouter de la poudre. C'est pas... voilà, là, pour l'instant, j'ai mis ça. Donc voilà à quoi ressemble la pâte. Vous voyez, elle tombe pas, genre c'est que c'est bon. Donc on va l'appliquer sur la tulle. J'en ai mis partout. Et là on va mettre de l'aluminium et on va laisser poser ça genre... 10-15 minutes, je pense.
Donc voilà, là j'ai lavé la perruque, je l'ai séchée un peu et voilà à quoi ça ressemble en gros quand vous avez décoloré. Vous voyez, il n'y a plus trop de points noirs. Il faut faire attention parce que si vous décolorez trop, ça peut... Vous voyez déjà là, ça a commencé à être trop jaune, enfin à monter aux racines. Voilà pour ce qui est de la décoloration. Là, on va passer à la customisation. Et c'est là que les problèmes arrivent. Donc du coup, je vais la mettre sur ma tête pour perruque. Et on va commencer. Donc là les gars, on va commencer la customisation. Vous aurez besoin d'un spray d'eau et vous aurez besoin d'une pince à épiler et d'un peigne à queue. Je vais d'abord délimiter mes bébières. Bon, les gars, nous sommes le lendemain, je suis dans ma salle de bain, j'ai un peu lissé la perruque, enfin vraiment vite fait, histoire d'eux. Donc je vous remontre à quoi ressemble la perruque. Elle ressemble à ça, je suis plutôt contente de ma customisation, donc là c'est un peu orange comme vous voyez. Mais en fait quand je la pose sur ma tête, genre ça va, parce que comme je suis foncée de peau, genre ça match assez bien. Là ce que je vais faire, c'est que je vais teinter ma laisse pour que quand je la mette sur ma tête, genre... Ça fit bien, genre ce soit bien la couleur de mon crâne. Donc soit vous mettez du fond de teint, donc là vous retournez la lace, soit vous mettez du fond de teint, soit vous mettez un spray teinté. Moi pour ma part j'ai un spray teinté que j'avais eu, donc il me vient de chez Lambert Beauty. Donc voilà le spray. Et du coup c'est la teinte chocolat, donc je secoue bien. Et en fait je vais venir en mettre... Faut pas trop en mettre non plus, mais je vais venir en mettre sur la tulle. Donc quand c'est comme ça, vous venez sécher et voilà. Après, il faudra bien aplatir. Vous voyez là que c'est un peu gonflé. Donc soit vous lissez ligne par ligne, soit bah. Mais voilà ce que ça donne. J'espère que quand je vais la coller, ça va bien le faire. Je pense que je vais un peu aplatir parce que ça me stresse. Je vais un peu aplatir ici, là. Et voilà. Pour aplatir vite fait, je vais prendre ma brosse soufflante. Donc en fait, elle me permet de bien attraper. Après, si je vois que ça reste quand même gonflé, je prends mon peigne chauffant. Genre, voilà. Là, je vais mettre sur chaud, genre à fond, et voilà. Comme ça, j'aime bien mettre de la mousse, ça me permet de bien dompter entre guillemets les mèches. On va passer au découpage en fait, au milieu, et après je vais découper tout doucement. Donc, je sais pas si vous voyez. Bon, après, je vais bien redécouper parce que là, je suis pas à l'aise vu que je suis un peu loin du miroir. Mais c'est un peu le délire. Après, vous avez juste à perfectionner, peut-être mettre un peu plus de poudre pour que ça fonde bien. Mais je pense que le résultat va être pas mal.
Bon, là, j'ai mes lunettes, mais en gros, il faudrait ajuster ici aussi. Bon, voilà à quoi ça ressemble, en gros. Après, bah, quand je vais coller, ça va bien se fondre. Là, j'ai pas mis de poudre. Enfin, j'ai pas encore ajusté, mais quand je vais coller, je pense que ce sera bien. J'ai hâte de la coller, en tout cas. J'ai très, très hâte. Donc, vous verrez le résultat après. Voilà, les gars. Je suis trop fière de ma petite perruque. Genre, j'ai fait toute seule et tout. Bon, pour la pose, je vous ai pas montré parce qu'en vrai, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais les poses avec la colle qui dure genre 1 à 2 semaines. Genre, parce que là, j'ai mis du Got to BBK parce que je sors et que demain, j'ai envie de l'enlever. Mais je me suis dit que je ferai une vidéo où je vous montre comment je fais les poses avec la colle et je vais tester pour voir si ça dure vraiment 1 à 2 semaines, si c'est bizarre. Enfin bref, je vais faire de mon mieux en tout cas pour utiliser cette colle. Voilà la perruque. Je me suis dit que j'allais faire des bébières, genre. Bon, j'en fais rarement. Là, je sais pas. Je voulais faire des bébières. Et puis voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. À la caméra, je sais pas comment ça rend, mais genre en vrai, c'est super bien. Elle est archi plate, il n'y a pas de bosse. Genre, j'ai vraiment rien, il n'y a pas de défaut de couture ou quoi. Du coup, et pour la longueur, mais les gars, ça c'est pas du 24, ça. Ça c'est plus. C'est franchement, je pense, on dirait même du 28 parce que ça m'arrive aux fesses. Ça m'arrive aux fesses. Le 24, c'est pas censé arriver jusqu'aux fesses, non? Pourtant, j'ai déjà eu du 24, c'était pas aussi long. Bref, voilà. Donc je vous mettrai les infos de la perruque en barre d'infos. Donc c'est une wig qui me vient de chez Upretty. 180 densité, 24 pouces, je vous mettrai tout, vous inquiétez pas. Je suis trop contente. Là je fais vite parce que je vais sortir et tout. Je me suis dit bon, il faut bien la coller, tout ça. Comme ça je vous montre. Et comme prévu, je vous ferai une vidéo vraiment pour la pose. Débutante, mais on fait de son mieux. Vous voyez, je suis pas une pro, mais j'essaie de faire de mon mieux si vous avez capté. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà.